Allô? Allô, Nelson? Ouais. Ah, salut, ça va? Ouais, salut, ça va? Ça va, on t'entend bien. Dis-moi, on va te retrouver en Martinique le week-end prochain. Ouais. Oui, tu es où là actuellement? Ouais, déesse de l'amour. Voilà. Là, je suis en Guadeloupe. Oui, voilà, je suis en Guadeloupe pour toujours pour Hervé Villaon et déesse de l'amour. Ce soir, au Memorial Act, à 20h. C'est la première fois que tu joues dans cette salle-là? Elle est assez récente. Ouais, elle est très récente et c'est surtout très symbolique par rapport à cette pièce-là, puisque c'est une pièce qui traite aussi de l'esclavage, de la traite et tout ça. Donc du coup, c'est symboliquement, c'est aussi fort pour toute l'équipe du Ouais. spectacle de venir présenter ce spectacle-là au Memorial Act. Ouais, ça a plein de sens. Tu es où là, juste pour nous dire tout de suite, présentement, là, Alors maintenant? là, je suis juste sur un transat près de la piscine à l'hôtel. D'accord. Puisque on est prêt, donc cet après-midi, on fait encore quelques répétitions à partir de 14h. Mais c'était important que les comédiens se reposent ce matin, puisqu'on a fini à 23h hier soir. Donc voilà. D'accord. Comment tu as rencontré ce texte, Erzuli Dahomey? Comment tu l'as connu? Alors en fait, depuis que je viens, quand je suis arrivé à Paris il y a une dizaine d'années, le premier spectacle que j'ai vu, c'était Face à la mer, un texte écrit, joué et mis en scène par Jean-René Lemoine. Ouais. Et après, ça m'a vraiment marqué ce spectacle. Et du coup, après, j'ai lu tout ce qu'il écrivait. Et puis j'allais voir un peu ses mises en scène. Avant ça, j'avais déjà vu une mise en scène quand j'étais au lycée. Je l'avais vu à l'Atrium, c'était La Cerisaie. Il avait mis en scène avec plein de comédiens super. Donc j'ai suivi un peu son parcours. Et quand j'ai lu Erzuli, c'était une évidence pour moi de monter ça parce que ça traite de thématiques qui me touchent beaucoup. Ça traite de l'exil, à la fois l'exil géographique mais aussi l'exil de soi. C'est drôle, on peut pleurer au début rire au début d'une phrase et pleurer à la fin, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup au théâtre, ce côté grotesque des personnages, des situations. Voilà. Et puis Et l'humour tout le temps présent on a de la au milieu de la comédie, tragédie, quoi. ouais, de la tragédie et de la comédie en même temps. Exactement. Il y a énormément de thématiques, tu nous disais dans cette pièce. Le tout début de la pièce, tu peux nous le pitcher un petit peu? Ah ouais, le début de la pièce, c'est une famille qui vit dans une province qui s'appelle Villeneuve, donc qui pourrait être aussi bien en Suisse, qu'en France, qu'en Belgique, voilà, en tout cas c'est en Europe. Cette famille, donc il y a la mère, les jumeaux, le père Denis qui est le précepteur des enfants, et puis une bonne antillaise qui s'appelle Fanta. Ils vivent dans cette maison avec un peu, ils réfrènent tout, quoi. Tout est un peu endormi dans cette maison, jusqu'à ce que le fils de la famille, donc pas le jumeau, mais l'autre fils qui s'appelle Tristan, soit donné pour mort dans un crash d'avion au Mexique, en même temps que la mort de Leti Galeana sous le temps de l'Alma. Ces D'accord. deux événements-là vont faire une espèce de chaos dans la maison, et tout le monde va un peu se réveiller, ça va un peu faire gros électrochoc dans la maison, quoi. Et puis à partir de ça, il y a un fantôme qui va débarquer, mais qui n'est pas le fantôme du fils de Tristan, qui est le fantôme d'un homme noir. Puis après, il y a la mère du fantôme qui va venir réclamer le corps de son fils. Et puis là, je ne vous en dis pas plus. Oui. Ça va, ça suffit, ça suffit. On a déjà envie. M'avais dit le début, là. Ouais, mais dis-moi, tu as été remarqué avec cette création puisque tu as été primé. Voilà, oui, en fait, on a créé cette. Au début, on devait venir le créer en Martinique. Ça devait être là, les 16, 17, 18 février au Théâtre de Fort-de-France, nos premières. Mais j'ai postulé, enfin j'ai candidaté pour un prix jeune metteur en scène qui s'appelle le prix Théâtre 13, c'est le nom d'un théâtre à Paris. Et puis on était 86 au départ, et puis en fait on a été les grands lauréats du prix. Donc c'était très fort, et puis du coup on a créé le spectacle dans cette temporalité-là, Ouais. vraiment avec les étapes du prix. Et voilà, et du coup on a pu jouer. Le prix, c'était de jouer 3 semaines en octobre dernier, là en octobre 2016, à Paris. Donc
là, le spectacle, c'est vrai qu'il a déjà été joué, du coup, dans le cadre du prix, et puis lors de l'exploitation en octobre dernier, quoi. Est-ce qu'on peut espérer une reprise l'année prochaine pour une diffusion ou pas? Ailleurs ou... Ah ben, y a des dates, y a des dates, en tout cas, qui sont en train de se mettre en place. Ouais. Il y a plein de gens qui sont intéressés. Maintenant, on est en plein dedans là. On commence à avoir des gens qui ont confirmé les dates de tournée. Donc, on va aller à Lanorville en Essonne, Cachan. Voilà. Donc c'est super. Moi, c'est important pour moi de. C'est la première fois qu'un spectacle que je mets en scène va aussi un peu au-delà des plateaux caribéens et puis ou alors des plateaux parisiens ou voilà. Donc c'est bien d'avoir ce genre de date de tournée. Ah oui. Très content. Pour un jeune metteur en scène et comédien martiniquais, vous n'êtes pas des milliers à réussir ça encore. Oui, oui, entre nous. C'est vrai que ouais, carrément. Et puis c'est vrai que ça continue à être. Voilà, moi j'ai trop hâte que le public de la République aussi entende cette pièce-là, parce que je sais que ça aura une résonance particulière. Même Jean-René, quand je lui ai dit qu'on jouait au Mémorial et au Théâtre Fort de France, au Mémorial Acte au Théâtre Fort de France, il m'a dit la réception va être forcément différente. Oui. Et il a mis après organique. Bon, tu sais que c'est plein, hein. Ah, ben tant mieux. C'est plein à Fort de France, les gens sont sur liste d'attente. Ah ouais, c'est plein. Juste, tu nous dis la distribution rapidement, tous les comédiens, il y en a certains qu'on connaît. Ouais, alors la distribution, oui, Emmanuelle Ramy, on la connaît parce qu'elle a joué dans Nous étions assis sur les âges du monde, qui a été joué en Martinique, voilà. Et des petites souillures, deux ans avant. Et puis, il y a Karine Pédian, qui vient de jouer Médécaline, qui ouais. est une Guadeloupéenne, donc là, on est chez elle. Ouais. Tout ce soir, devant public local. Ouais. Et puis, sinon, il y a Alvi Dimo, qui est une comédienne congolaise, magnifique comédienne chanteuse. Il y a Mexiano Medeni, qui est un comédien béninois. Il y a Gilles Nicolas, Claire Poudrou, Adrien Bernard Brunel. Voilà, pour les comédiens français, comme on dit. Et d'accord. Puis, voilà, on est là avec le compositeur du spectacle et puis l'éclairagiste. D'accord. Des gens qui connaissaient peut-être pas la Caraïbe, tous. Ben, il y a des gens qui n'avaient jamais passé l'Atlantique, donc qui sont ravis et en même temps tout excités. Donc c'est aussi ça l'expérience d'aller visiter le Memorial Act et de jouer cette pièce-là dans la foulée, quoi. Enfin, le symbole est assez fort, en fait. Et puis même d'être là, enfin, pour moi, les pièces, elles résonnent vraiment, en fait. Je n'en dis pas plus, mais je crois vraiment à cette parole-là portée sur un plateau. Ça permet de parler de plein de cultures, en fait. C'est vraiment un choc de culture. On est à la fois hyper en Europe, dans une famille complètement bourgeoise et d'une province française ou suisse, ou on ne sait pas, et à la fois avec une femme sénégalaise qui débarque, avec son fils, avec... La bonne haïtienne qui pète un câble. Donc il y a plein de cultures qui se croisent. C'est ça qui m'intéresse, quoi. Bon. Et donc c'est dans les titres que dans le texte. Donc c'est ce soir au Memorial Act à quelle heure? Ce soir au Memorial Act, samedi 11 à 20h. Voilà, et dès la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi, dès la semaine prochaine, au Théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France. Voilà. Eh bien, on se retrouve très vite. Voilà. Tu arrives en Martinique, j'imagine, dès lundi, c'est ça? Demain. Demain. Non, même demain, on prend l'avion demain, ouais. On prend l'avion demain en fin de journée pour être dès dimanche soir en Martinique et commencer à tout installer, répétition, lundi. Bon, ben, bonne représentation ce soir. Voilà. Et puis à la semaine prochaine. Merci. Salut, Nelson. À la semaine prochaine. Salut, merci à toi. Salut. Salut. Ouais, salut, bye.